Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 105e épisode de notre Let's Play Station Ear saison 4 sur Vénus. Aujourd'hui, le temps que notre Inconel se fasse, on va faire un petit peu de déco dans la salle de la fournaise. Allez, c'est parti. Il y a un truc qui me... Il y a un truc que je pige pas. Ouais, ça tournait plutôt bien. Mais là, cette lenteur à la montée, est-ce que c'est parce que ma température est proche? Je sais pas. C'est bizarre. Oula. Là, par exemple, ça grimpe à bloc. Donc, il y a quelque chose dans mon calcul qui fiche le bazar. C'est très bizarre. Donc sur une variation de température, elle monte en pression sans problème. Et là, pour juste une variation de pression, ça galère. Bon, j'ai fait mon Inconel, c'est ce qui compte, mais je viens de passer un certain temps à le faire là. Ah, du coup, toi là. Que j'avais bien gardé en mémoire. Non, non, pas du tout. Donc, il va falloir que je reset celui-là. Et
Et pourquoi est-ce que t'étais bloqué sur de l'Inconel qui te manquait? Ah, ça devait être pour des IC. Ouais, faudra que je remette encore mon code dans Stationeering et que je simule les valeurs et que je vois ce qu'il veut me sortir. Parce que logiquement... Ce volume in. C'est in temp fois la quantité de matière présente fois. Et c'est le XK. La température de ma fournaise moins température cible. Divisé. Par la pression en entrée. Voilà, température cible moins la température d'entrée. Et bonne soirée à Scoven. Donc là. Donc là, il y a un truc que. Il y a un truc que je pige pas. Temp fois current mol fois furnace temp moins target temp. Ah, parce que ça du coup ça fait 0. Ouais, il y a une couille dans ma formule. Ouais, cette formule, en fait, quand furnace temp est proche de target temp, bah, elle ne marche plus. Tu ne la vois pas la formule? Ah bah désolé. Ah bah tu la vois encore moins. Des petits jeux de vieux, ça va, t'as pas 50 ans. Ouais, il va falloir que je... Du coup, c'était sur mes IC qu'il devait manquer de l'Inconel à la base. Non? Pourquoi j'ai fait de l'Inconel? Qui est-ce qui a manqué de l'Inconel? Sérieusement. J'ai fait de l'Inconel, je sais pas pourquoi. Du coup, tu vas...
vas d'abord me faire des Logic IO, s'il te plaît. Je peux pas faire de lumière là-dedans, ça se fait que... Ah bah si, je suis con, ça se fait là. Vas-y. En fait, ma formule marche quand il y a des écarts de température. Et pas quand ma température est quasiment la bonne. Donc ça, comment je vais faire, je sais pas. Non, les housing c'est bon, c'était les IC. Alors... Encore? Je passe mon temps à picoler, moi. Il y a un truc que j'ai pas pris, oui. Formule marche, c'est juste moi qui sais pas utiliser. Non, je pense qu'il y a... Je me suis raté quelque part sur la formule. Alors, normalement, j'ai le jus qui arrive quelque part en dessous. Normalement. Il me faut un transfo. J'ai pas de transfo d'avance. Tu es en train de me sortir des IC. Une seule au milieu, ça suffirait. Ça pourrait sembler suffisant. Parce que ça, c'est au milieu. Presque. Ça, c'est mieux. Nye. Bravo, je fais tout voler. Toi... Et je pense quelque chose comme ça. Être pas mal. Ok, on va ressouder ça. Si je peux l'atteindre. Voilà. Logic. Aïe.
Magic Mirror. Mirror. Est-ce que je le mets là directement? Je le mets là. Je vais le mettre là. Tac. Toi, c'est bon. Toi. Est-ce que je peux lancer les transfos, s'il vous plaît? Je peux. Du coup. Magic Transmitter. Il va falloir t'alimenter pour que tu marches. Toi. Magic Mirror. On va t'alimenter aussi. Déjà un transfo. Les autres viendront après. Oui, bah oui, forcément. Toi, tu râles parce que tu veux que je te mette un IZ dedans. Oh là là. J'ai dit qu'elle s'appelait. Advanced Sensor Light. Je suis pas content. Ah oui, il est pas content. Oui, lui. Bon, ça va. Alors. Petite pièce, tu es grande comment? Tu vas de... ...4,54, même... 2,54. Tu vas de 2,12, 54, 62. Lui, il est content. Yep. Hop. Et normalement, moi aussi, parce que... Voilà. Est-ce que je peux me passer de mon casque, du coup? Si j'ai un endroit où le ranger. Ça fait pas beaucoup de lumière.
Je sais pas ce que vous en pensez. Par rapport à côté. Il y a de la lumière, mais pas grand chose, quoi. Ouais, mais du coup, je les mettrai comment? Peut-être une ici et une là. Une ici, une là. Que j'en mettrais carrément une troisième. Ok, tout était juste coincé. C'est vrai que là, le plafond est sombre, c'est la réflexion que je me faisais en même temps. Déjà, si je mettais du... Qu'est-ce que j'ai mis au plafond? Du flat. Du flat en flat. Ça va comme ça. Oh bah écoute. Bon courage XK. Eh hey, mais normalement les pub, j'en ai pas mis des tonnes, donc soit il y a les paramètres qui n'ont pas été pris, soit parce que j'avais dû mettre une 30 secondes toutes les heures. Et là vous arrêtez pas d'en parler. Merci XK. Donc ça m'étonne un peu. Je m'étais dit je pense jamais en mettre, donc ils ont lancé les pubs automatiques. Si je configure ça, j'ai vu les trucs par défaut, je me dis non, on va mettre beaucoup moins. C'est très bizarre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de regarder rapidement ça. Si ça veut bien se connecter. C'est où? C'est dans les paramètres d'affilié.
Ah, j'ai dû mettre 30 secondes. Ah non, une minute, il m'a foutu. Une minute toutes les 30 minutes, non. 30 secondes toutes les 30 minutes à la limite. Il ne peut pas accepter qu'on mette trop peu. C'est vrai que j'avais mis 30 secondes toutes les heures. Bon, ça sera un peu mieux. Déjà, 30 secondes au lieu de... d'une minute. Ouais, c'est abusé, une minute. En plus, j'avais un décalage... Non, il m'avait pris en compte mon décalage parce que j'avais dû... dire hop, comme je démarre toujours le stream 5 minutes avant, je mets un décalage de 4 minutes, comme ça il lance ses 30 secondes de pub juste avant le début, et après 3 en 30 minutes. Wouah, non. Après, si c'était des publicités de 20 secondes, vu qu'il était réglé à 1 minute potentiellement, bon, à surveiller. Normalement, devrait y avoir un mieux. Alors là, on est de nuit, c'est pas mal. Ça reste allumé jusque là, ça s'éteint ici. Mais ça fait quand même un peu sombre. Hein. 45 minutes de pub toutes les 20 secondes. Eh... ouais, pourquoi pas. Est-ce que j'en rajoute une? Je dis peut-être rajouter ici. Comme la pièce est plus petite, ça fait plus sombre. Ah zut. Une près du four. Alors après, j'aurais peut-être pu mettre ces deux là. Part et d'autre. Près du four, ça risque d'être trop. J'ai peur que ça fasse trop de reflets. Ouais, là, je trouve que c'est. Peut-être là, ça se reflète sur le blanc de derrière. Du coup, ça illumine globalement bien la pièce. En plus, je vois mon reflet. Moi, je trouve que c'est pas mal, la transition se fait bien. Non, je suis plutôt satisfait du résultat. Bon, alors forcément, dès que j'arrive ici, c'est moins satisfaisant. Et là, quand je vais vouloir éclairer, ça va être full clos. Ah, peut-être que je fasse cette partie-là avant. Oh. On va faire ça après manger. Et puis bon, peut-être bien que on va faire ça aussi la prochaine fois, parce que mine de rien, l'heure tourne. Je suis pas sûr si je me lance maintenant dans une autre pièce que je la finisse si rapidement que ça. Ouais, c'est ça, cette dame. Je pense qu'on va
déjà faire du rangement là-dedans. Ça, 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 ça. Et ici, c'est bien rangé. Chaque chose à sa place. Et qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas mangé. Et puis du coup, je pense que la prochaine fois, va vraiment falloir commencer à... creuser la montagne de ce côté-là pour faire un bâtiment, une zone qu'on appellerait une serre par exemple, qui va nécessiter que l'atmo avance. Mais... parce que là il m'en reste combien? Ah non, il m'en restait un peu, mais est-ce que j'attaque les frites? Allez, j'attaque les frites. Là, j'ai plus que 8 boîtes de conserve d'avance. Donc, bah, il va falloir que je commence à avancer de ce côté-là. C'est bon. Là, déjà, on a l'éclairage automatique. On a deux pièces de fini. On a retrouvé des bugs sur ma super formule, qui n'est pas si super que ça. Donc c'est pas mal, je trouve. En tout cas, je vais vous dire merci à tous d'être passés. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. Désolé pour les coupures pub intempestives. Normalement, là, en ayant réduit, je pense que ça devrait être plus tolérable. Et puis... que je réduirai encore un peu si vraiment ça... Moi, je vais voir. Je verrai ça. Je veux pas que ça paraisse insupportable non plus, quoi. C'est juste que comme je pense jamais à les lancer, je me suis dit que l'automatique, ça le ferait pour moi. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, ben, je vous dis... Alors... peut-être pas demain... Peut-être pas demain, peut-être que demain ça sera un petit peu de repos en prévision du week-end, mais en tout cas vendredi pour sûr, soit avec bah, peut-être bien du Stationeers, soit une autre coop, soit peut-être déjà Icarus si c'est ouvert, on verra. En tout cas d'ici là, vous portez-vous bien et puis je vous dis à très vite. Allez,